sixième du classement. Laval accueille Auxerre, septième. Les Lavallois sont invaincus à domicile et espèrent poursuivre cette série. Mieux que ça, ils espèrent s'imposer, car dans cette série d'invincibilité, il n'y a eu que 2 victoires pour 5 matchs nuls. Les Tangos sont privés de très nombreux joueurs, 3 suspendus, Chafik, Poloma et Konaté, plus beaucoup de blessés. Monfray, Renoir, Dembélé, Bourgeois et Bekamenga sont tous à l'infirmerie. Pas facile dans ces conditions de jouer ce match contre la JOCR. OCR qui ouvre le score, mais le but est refusé. Deuxième possibilité pour les Bourguignons. Avec cette nouvelle tête, ça passe à ras du poteau. Très bon début de match de la JA, seulement privé de Ndong, Aïd Benidir et Samaritano. Une équipe d'OCR extrêmement entreprenante qui pourrait rapidement ouvrir le score avec autant d'occasions. Auxerre n'est que 7ème du classement général, mais la 2ème meilleure équipe du championnat à l'extérieur. 3 victoires, 3 nuls et une seule défaite, c'était lors du derby à Dijon. Laval a beaucoup de mal à exister à domicile, mais réagit quand même avec cette frappe, le ballon directement dans les gants de Geoffrey Lambé. Pas beaucoup plus d'occasions dans cette première période. À la mi-temps, 0-0 entre les deux équipes, mais l'avantage très net sur le terrain est pour l'équipe de Jean-Luc Vanucci. Laval sort de sa 2ème défaite de la saison seulement, une défaite 1-0 sur le terrain du Gazélec Ajaccio. C'est une saison correcte pour les joueurs de Denis Zanko, mais ils souffrent dans ce match et ça se confirme en seconde période avec un tir sur le poteau magnifique. Ça aurait été l'un des buts de la semaine, mais pas de réussite pour les Auxerrois. Encore une chance peut-être avec ce ballon dans la surface. Le poteau encore. Décidément, ils n'ont aucune réussite. Mais ils ne semblent pas trop agacés par ces poteaux successifs. Ils continuent à jouer. Et pourquoi pas sur ce ballon, l'ouverture du score. Voilà qui est fait. Un ballon très intelligent de Vincent Granic. 63ème minute, ça fait 1-0. Et c'est un but plutôt mérité. 6ème but de la saison pour Granic. Plein de finesse sur cette action. Laval se rebelle et joue un petit peu mieux après avoir encaissé un but. La frappe est contrée, mais le ballon revient sur Mamadou Diallo. Et l'ancien international malien égalise à la 83ème minute. C'est son 3ème but de la saison. C'est un peu sévère pour la JOCR qui a fait l'essentiel du match, qui a eu les meilleures occasions. Mais Laval sait s'arracher en fin de match pour égaliser peut-être un dernier ballon, mais il est capté par Lionel Capone. Et à la fin de cette partie qu'Auxerre a dominé, les deux équipes se séparent sur un match nul, un but partout.